L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Et ici, ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 dans la matin et puis 7h dans la soir. Avec pied poudré, on fait route là. Très heureuse de vous rencontrer pour cette nouvelle édition Pied poudré pour cette semaine. Nos respectueuses salutations à l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Mgr Marc-Sorin Mésidor, au vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le révérend père Francky Désir, salutations au révérend père Frenzy Petit-Homme, Petite-Marie, curé de la paroisse universitaire. Nos respectueuses salutations au révérend père Delva Joseph, vicaire de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Nos salutations vont également à tous les religieux et tous les laïcs et tous les bienfaiteurs qui ont permis, d'une manière ou d'une autre, la nouvelle réalisation de cette rubrique Pied poudré. Voici l'essentiel de l'actualité pour cette semaine. Sur le plan local. Première soirée de prière organisée dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception pour le mois de juin. Célébration eucharistique de la fête de la Sainte Trinité dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Début de la neuvaine à Saint-Antoine de Padoue, 6 à Avenue Poupleur. Deuxième sortie, émission Petite Maman Marie La Caillotte est réalisée avec groupe Légion de Marie qui sortit dans la paroisse Saint-Gérard, dans Carrefour-Feuille. Deuxième sortie, émission Tout le monde si monde avec M. Jean-Richard Dorismi. Lancement des 81 jours en l'honneur de Saint-Michel du 10 au 29 septembre 2023. De la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Sur le plan international, résumé de la catéchèse de Saint-Paul. N'a pas une petite pause, n'a pas tourné à l'air pour développer un journal Pied poudré pour semaine ça. Merci d'être toujours là pour développer un journal Pied poudré pour semaine ça. Sur le plan local. Je quittais 2 juin 2023, c'était premier vendredi dans le mois de juin et c'était premier vendredi de soirée de prière dans 4-7 vendredi de soirée de prière là. On suit ensemble un extrait de soirée de prière ça. Ou même qui gagne plus force parce que toute leur force là. Ou même qui plus grosse force parce que toute leur force là. Viens mettre force dans la vie nous pour nous combattre la vie et pour nous sortir vivants. Qui empile nous, il a déclaré sur la vie nous que nous ne pouvons pas jamais y aller. Il a déclaré sur la vie nous, c'est là pour nous rester à terre. Il a déclaré sur la vie nous, faut que nous mangeons misère pour nous tout rester la vie nous. Mais à souhait, nous puissions sous autorité, changer l'histoire de la vie nous. Restaurer l'histoire de la vie nous. Faut que nous présents sous coup n'y a là, ou nettoyer nous. Et avec puissance sous autorité, ou faire nous sentir que nous vivons. La vie nous recommence nous-mêmes. Pour tout ça qu'a fait dans la prière, ça, nous sentir nous connectés avec vous. Et quand à vous m'éveillez, que vous avez déposé dans le cœur nous, dans la vie nous, dans tout ça nous est, dans la caille nous déjà prêts pour nous accueillir. Que nous prêts pour nous accepter lui. Parce que nous connaissons que avec nous-mêmes qui là, pas de pièces fausses mal capable de résister avec puissance. Pas de pièces fausses mal capable de couper notre présence. Parce que nous connaissons depuis là, c'est la paix que vous portez, c'est la libération que vous portez. Et dans le moment ça, vous regardez tout le monde quand dans l'église là, cap la prière. Que vous avez besoin de vous, cap dire que dans la minute ça, il y a besoin de vous consoler. Il y a besoin de vous parler dans le cœur. Il y a besoin de vous retirer dans la souffrance. Il y a besoin de vous capable de chercher de l'eau cap dans les yeux. Il y a besoin de vous passer même dans le dossier la fille. Et ça fait des années. Vous me suis bloqué dans le tiroir. Il y a fermé le tiroir ça. Personne n'a pas le côté lié. Mais à souhait, quel que soit le problème, allez détecter et pétez votre là pour mettre nous dehors. Nous besoin de souhait à l'Esprit Saint. Et nous provoquer pour capable continuer à descendre dans le cœur nous, descendre dans la vie nous, chauffer l'âme nous et d'une façon spéciale. Rentrer dans la vie de l'Église, rentrer dans la vie de Bergeline, rentrer dans
la vie Stéphanie, dans la vie Timo, dans la vie de tous nos chacun. Tape la prière qu'on y a là parce que nous connaissons avec puissance ou présence ou autorité ou n'a besoin de libération, n'a besoin de délivrance, n'a besoin de consolation, n'a besoin qu'on y a là. Dis l'Esprit Saint, m'a besoin de présence ou qu'on y a là. Esprit Saint, m'a besoin de présence ou qu'on y a là. L'Esprit Saint, m'a besoin de présence ou qu'on y a là. Esprit Saint, m'a besoin de présence ou qu'on y a là. L'Esprit Saint, m'a besoin de présence ou qu'on y a là. L'Esprit Saint, m'a besoin de présence. L'Esprit Saint m'a pris libération au Kounia. 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 Prends-moi, Esprit Saint, prends-moi, prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, prends-moi, prends-moi, je suis à toi. Souffle ton souffle, purifie-moi. Souffle ton souffle, soulève-moi. Viens sur mon sang, donne tes sang. Ressaisis-moi, souffle dans Pose ta main sur moi, prends-moi, prends-moi, je suis à toi. Souffle ton souffle, murmure pas. Souffle ton souffle, alléluia. Comme une fleur née de Marie, accueille-moi. Je te dis oui, prends-moi, Esprit Saint, prends-moi, je suis ton bien. Pose ta main sur moi, prends-moi, je suis à toi. Après dimanche qui était 28 mai, qui était fête la Pentecôte là. L'église l'a fêté jeudi 4 juin 2023, fête de la Sainte Trinité. Et la messe là, dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, est présidée par le révérend Père Frenzy Petit-Homme, Petite-Marie, et concélébrée par le révérend Père Delva Joseph. En suivant ensemble un extrait de la messe là. Nous, Maxime, chaque dimanche, après fête Pentecôte, l'église l'a célébré la fête de la Sainte Trinité. Fête Sainte Trinité, c'est fête. Bon Dieu Papa, bon Dieu Petite là, bon Dieu l'Esprit Saint. Depuis nous tout petit, yo dit nous que gagnez yon seul bon Dieu en trois personnes qui c'est Papa, Petite là avec l'Esprit Saint. Et tout temps n'a grandi si nous intéressés avec zafè théologie, zafè l'église, nous essayer comprendre plus qui ça ça veut dire. Bien que l'irrité yon mystère. Yon mystère ou pas jamais rivé cerné à 100% vérité qui gagne en dans yon mystère parce que son mystère lié. Mais on capable toujours approcher mystère là pour comprendre certaines vérités qui en dans mystère là. Saint Antoine intercédé pour Haïti, c'est sous thème ça que le 20 Saint Antoine l'ouvre jour qui était dimanche 4 juin 2023 et sorti 4 heures chaque après-midi
Radio Télépitit Maman Marie permet de vivre bel moment la foi ça. En suivant ensemble un extrait de le 26 là. Frère Maxime, au premier jour, premier jour, nous avons un thème, bah oui. Nous venons avec un thème. Comment thème l'a dit? Chaque l'aime vient là, même bagaille là. Comme si, année ça, c'est dans fou là, il me prend. Hein? Année passée, c'était fumé, il a fumé, année ça, c'est fou là. On dit thème ensemble, boss, on dit thème ensemble. Mon ami Tayo, on dit l'ensemble. Mon sous-côté là, Boko, on dit l'ensemble. Saint Antoine, intercédé pour Haïti. Est-ce qu'il croit que Saint Antoine est capable de dire un mot pour Haïti? Est-ce qu'il croit que délivre ce pays ça sorti par l'intercession de Saint Antoine? Est-ce qu'il croit au jour Haïti lève là, n'a pas joué quand même? Si nous croyons tout le monde, nous devons vous avoir pour bon Dieu. Parce que nous bon Dieu, nous allons agir pour nous. Je vous dis aujourd'hui, en Haïti, nous sommes capables de dire que les Haïtiens auront une bataille qui a mené. Ils auront un combat chaque jour qui a mené. Et combat ça, ce n'est pas un combat Père Collin, ce n'est pas un combat Père Vallon, ce n'est pas un combat aucun fidèle qui est là, mais combat, c'est combat l'été. Deuxième sortie, émission Petite Maman Marie, la carotte réalisée avec le groupe Légion de Marie qui se tient dans la paroisse Saint-Gérard qui est dans le Carrefour-Feuille. En suivant ça, un extrait de l'émission ça avec présentatrice non, Woodlove Guerrier Gassamia. Je vais commencer par dire qui est-ce moi. Non, pas c'est Davidson Pierre-Louis. Moi, c'est actuel président Curia Marie-Mère de l'unité de Saint-Gérard. Moi également président présidium Marie-Reine du Monde. Moi, étudier sciences de l'éducation avec sciences juridiques. Moi, j'ai un penchant en psychopédagogie. Moi, j'ai joué théâtre, c'est comédien. J'ai un compagnie de théâtre, les compagnie de théâtre Flambeau. Moi, habitué à faire en la communauté Carrefour-Feuille avec ceux qui ont traumatisé, qui ont des difficultés soit dans l'apprentissage et qui ont l'autre problème tout que moi-même, moi, j'ai tête pour me servir la communauté. Donc, moi, content. Pour me capable ensemble avec nous pour nous faire petit parler aujourd'hui hein, de Légion de Marie. Moi-même, je dis c'est Fabien Nivose et moi dis bonjour. Bonjour. Et un plaisir pour moi tout d'être que je dis à me capable dans studio Petite Maman Marie pour me capable parler de la Légion de Marie. Pour moi-même, c'est Fabien Nivose encore une fois. Moi et la Légion de Marie depuis 1977. Moi, passé et plusieurs fonctions, vice-président, président du conseil supérieur. Et puis, moi, j'ai toujours dans le président Notre-Dame des Pauvres. C'est le président Notre-Dame des Pauvres qui m'a dans tout conseil qui a permis de vivre dans le niveau aussi-là. Pour m'accompagner, président Légion, et puis secrétaire Casimi et frère Jean-Charles, comme des pionniers de la Légion de Marie. Les plus anciens, donc nous capables. C'est un plaisir pour nous et un plaisir pour moi spécialement. Je dis à que nous rencontrer avec et nous-mêmes qui fait partie de studio et Petit Maman Marie. Amis téléspectateurs, nous capables qui chance moi gagne aujourd'hui pour moi ensemble avec
4 légionnaires et surtout, ce n'est pas n'importe qui légionnaire, moi gagne 3. Toi là d'ailleurs qui fait partie de pionniers et surtout deux qui étaient là dès le début n'a pas eu un petit temps pour présenter tête yo même m'pas besoin d'y non plus. Frères et sœurs, toute fanatique petite maman Marie, nous comptons saluer M. Thier. Moi-même moi c'est sœur Yvetane Casimir. Moi c'est membre institut des auxiliaires franciscaines. Moi, légionnaire depuis à 62. Quoique je fais partie de la communauté, même plus que des légions, on travaille ensemble. En passant la radio. Moi, c'est catéchiste. Je fais un petit tour dans la radio Soleil. Et puis actuellement, je travaille dans la paroisse Christois de Port-au-Prince. Moi, c'est enseignant de carrière. Je suis content matin pour me capable d'entrer dans le studio pour nous dire un petit mot de la Légion de Marie, parce que nous ne sommes jamais capables de dire qui ça la Légion de Marie a été, qui rôle l'y remplit et qui ça l'y fait dans le monde. Mais nous là pour nous dire un petit mot, justement pour nous capables d'aider l'autre, qui peut comprendre les gens, qui rôle une façon comme si son bagage qui fouette, qui pague la vie, nous capables de faire connaître qui ça qui vient dans les gens et qui ça capable de jouer dans les comme trésor. Merci. Marcemio, bonjour. Donc, nous sommes bien contents matin pour nous dans le studio. Petite maman Marie, qui veut dire c'est la caille nous nous. Parce que maman Marie, c'est maman nous toutes. Moi-même, moi, c'est frère René Jean-Charles. Donc, moi, dans la Légion de Marie depuis 1968. Et moi, c'est membre présidium Notre-Dame des Pauvres et je passe dans plusieurs étapes. Le présidium, non, parce que président combien de fois. Et je fais partie tout présidium Notre-Dame de l'Annonciation. Je fais des années là-dedans. Je passe presque toute place officielle. Et jusqu'à présent, nous là, nous avons la prière. Et nous dit maman Marie toujours qu'elle est avec nous, parler avec Jésus pour nous. Donc nous venons présenter tête nous aujourd'hui ensemble avec frère président, frère Davidson Pierre-Louis, et puis frère Fabien Nivose, et puis frère sœur Yvetane Casimir. En suivant ensemble un extrait de 12e sortie émission Tout le monde c'est monde avec monsieur Jean-Richard Dorismé. Phrase numéro 1. Phrase numéro 1. Combien moun ou besoin? Combien moun ou besoin? Nous mettons point d'interrogation. Réponse, moins besoin 7 moun. Réponse, moins besoin 7 moun. Phrase numéro 2. Phrase numéro 2. Combien garçon avec fille liwè? Combien garçon avec fille li wè? Nous mettons point d'interrogation. Réponse, li wè 3 garçons et 2 filles. Réponse, li wè 3 garçons et 2 filles. Depuis plus de 3 années, nos soucis pour paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception avec Radio Télépetit Maman Marie Rédo connecté avec bon Dieu par l'entremise Saint-Michel Archange. Nous toujours invités au faire les 81 jours en l'honneur de Saint-Michel. Et à ça encore, c'est même exercice la fois ça, sorti 10 juillet pour arriver 29 septembre 2023, depuis 6h du matin, à gagner moment la prière, la messe, adoration du Saint-Sacrement, chapelet avec soirée de prière. Ou même qui t'a aimé recommander 81 jours en l'honneur de Saint-Michel, ou capable de nous au soir écrit nous dans 28 17 10 63 39 01 01 84 305 501 22 22 305-390-2828. N'a pas une petite pause, n'a pas un talent pour information qui concerne l'Église sur le plan international. Merci d'être toujours là pour toute information qui concerne l'Église sur le plan international. Résumé de
de la catéchèse de Saint-Père. Frères et sœurs, je voudrais vous présenter aujourd'hui comme modèle de zèle apostolique la figure de Matteo Ricci. Originaire des Marches, il est entré dans la compagnie de Jésus enthousiaste par les récits des missionnaires. Il rêvait d'Extrême-Orient. La Chine n'avait plus de missionnaires après la tentative de François Xavier. Il se prépara par l'étude de la langue et des coutumes chinoises. Il lui a fallu 18 ans de foi inébranlable, de constance et de patience pour arriver à Pékin. Sa méthode était celle du dialogue et de l'amitié avec tous, qui lui a ouvert les portes pour annoncer la foi chrétienne. Sa première œuvre fut un traité sur l'amitié. Proche des lettrés, il a pu présenter le christianisme en dialogue positif avec la sagesse confucienne, comme les pères de l'Église l'avaient fait avec la culture grecque. Consumé par la mission, il meurt en 1710 à 57 ans. Matteo Ricci, grand scientifique, avait le souhait profond d'annoncer l'Évangile. Sa crédibilité scientifique lui a donné l'occasion de pouvoir proposer les vérités de la foi chrétienne. Mais, plus que sa science et sa doctrine, c'est le témoignage de sa vie religieuse. Son refus des honneurs, sa charité qui ont conduit beaucoup de ses amis à embrasser la foi catholique. Son amour pour le peuple s'est concrétisé dans l'amitié réciproque. Encore aujourd'hui, à la lumière du Concile Vatican II, sa méthode et son esprit missionnaire sont pour nous un modèle vivant et pertinent pour le dialogue entre l'Église catholique et la Chine, mais aussi entre les hommes de tous les pays pour vivre la fraternité. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous continuons ces catéchèses en parlant du zèle apostolique, c'est-à-dire ce que doit sentir le chrétien pour faire avancer l'annonce du Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un autre exemple de zèle apostolique. Nous avons parlé de Saint François Xaver, Saint Paul, le zèle apostolique des grands. Aujourd'hui, nous parlerons d'un Italien qui est allé en Chine, Matteo Ricci, originaire de Macerata, dans la région des Marches en Italie, après avoir étudié dans les écoles des Jésuites, et être lui-même dans la compagnie de Jésus à Rome, enthousiasmé par les rapports de missionnaires. Comme beaucoup de jeunes, il demanda à être envoyé dans les missions d'Extrême-Orient. Après la tentative de François Xavier, 25 autres jésuites avaient vainement tenté d'entrer en Chine. Mais Ricci et l'un de ses confrères se préparèrent très bien, étudiant soigneusement la langue et les coutumes chinoises, et réussirent finalement à s'établir dans le sud du pays. Paroisse universitaire à Radio-Télé Petite Mamari, toujours content pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui a fêté pendant une semaine. Parmi tout le monde, nous souhaitons une bonne fête à toute paix, tout Monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à Réveillant Père Dérosé Journal qui a bien pour fêter jeudi 7 juin 2023. Bonne fête également à Réveillant Père Jean-Jean Alfred qui a bien pour fêter jeudi 9 juin 2023. C'est pour bénédiction grand maître là, toujours sous nous, à toute famille. Merci à tout le monde qui t'a pris plaisir de suivre le journal Pied Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours inviter au monde abonné à Radio Télé Petite Marie. Rendez-vous semaine prochaine pour l'autre journal Pied Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour la programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie portez la caillou pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. It is ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 7h30 matin et puis 7h dans soir. À pied poudré, on fait route là.